Cette question de représentation, eh bien, c'est aussi, disons, couvert par la notion de jouer. On dit jouer au théâtre, etc. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment apparu bien davantage en préparant la traduction anglaise de ce bouquin, qui est paru en 2016, et parce que l'anglais distingue « play the game ». Et alors, la représentation, c'était bien davantage « play ». Et alors, je me suis aperçue à cette occasion-là, et c'est pour ça que la traduction est un peu différente du français, c'est que les grands auteurs, tout au moins tels qu'ils sont en français, Johann Huizenga, Homo Ludens, qui est remarquable, ou Lévi-Strauss, par exemple, ils n'ont tous, ou Mauss, ils n'ont tous parlé que de « game ». Du game où on gagne ou on perd face à quelqu'un. Le seul qui ait parlé du play, c'est Roger Caillois, qui avait d'ailleurs écrit un article auparavant, University of Play, Diversity of Cultures, ou quelque chose comme ça. Oh, Diversity of Games, pardon. L'unité du jeu, la diversité des cultures. Et diversité des jeux, pardon. Et seulement, Caillois, il se trouve qu'il y a eu une brouille entre lui et Lévi-Strauss. Et alors que toute la génération d'anthropologues lévi-straussiens a négligé Caillois. Or, il est très riche, Caillois. Et je l'ai relu à cette occasion-là. Je l'avais lu, bien sûr, autrefois, et je m'en étais servi un petit peu, mais je l'ai relu à cette occasion-là. Et il est vraiment le plus complet, le plus pertinent. Et alors, il a aussi quelque chose... il avance une théorie sociologique des jeux, parce qu'il distingue donc quatre principes de jeu, la compétition, l'agone, l'aléa, qui est finalement la composante de hasard, la mimicrie, qui est l'imitation, et l'ilinx, qui est le vertige. Bon, j'aime pas beaucoup les noms qu'il a adoptés, mais finalement, il dit que dans l'histoire des jeux, ce qui disparaît le plus vite, c'est l'imitation et le goût du vertige, le goût du vertige qu'on peut avoir par exemple quand on se balance ou des jeux de ce type. L'imitation, bon, elle est très fréquente dans tous les jeux. La base des jeux, c'est l'imitation. Hein. Bon, on voit aussi que les mathématiciens ont pris le jeu comme modèle, parce que justement ça servait à imiter quand ils voulaient que la machine imite le cerveau humain. Ils ont commencé aussi par de l'imitation. Donc c'est très très riche l'imitation et le vertige, parce qu'il y a aussi dans l'idée de vertige, il y a aussi tous les jeux, on peut s'entraîner à boire, etc., qui vous donnent une certaine ivresse et compagnie, mais que finalement, ce qui domine dans l'histoire des sociétés, c'est le couple compétition et hasard, parce qu'il y a finalement toujours un peu de hasard qui est laissé dans la compétition. Et il a parfaitement raison, et ça, ça a été complètement négligé, et je suis vraiment tout à fait désolée parce que je ne lui ai pas fait la part qui aurait dû lui revenir, mais j'espère bien pouvoir le faire un jour. En effet, ce qu'on voit, c'est que dans l'histoire des jeux, je le disais déjà que quand les jeux deviennent la fête nationale, ils laissent tomber la composante danse, sauf en Yakoutie, c'est le seul endroit où la danse soit restée au niveau national. Mais partout ailleurs, la composante danse a disparu. Et c'est vraiment la disparition de l'imitation et du vertige. Là, c'est vrai, au profit de quoi ? La compétition de plus en plus grande. Et pourquoi est-ce que la compétition est de plus en plus grande ? Et pourquoi est-ce qu'elle laisse toujours une part au hasard ?
ou à la différence inter-individuelle, c'est parce que sinon il n'y aurait pas de jeu, ce ne serait pas drôle. Il n'y aurait pas un gagnant, un perdant, il n'y aurait pas d'enjeu, et c'est aussi ce qui laisse une marge de liberté individuelle. Mais on voit même pour les championnats de natation, par exemple, tout le monde a le même type de maillot qui est glissant, etc., et qui ne fait pas obstacle au mouvement de l'eau. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui fera la différence entre X et Y. Et s'il n'y avait pas ça, tout disparaîtrait. Donc cette composante de hasard est absolument capitale. Et Caillois l'avait très bien vu. Et je dirais que c'est aussi quelque chose qui est très important pour les comparaisons avec le rituel. Parce que tous les rituels de type chamanique, comme tous les rituels de guérison, sont des rituels à issue aléatoire. On ne sait pas ce que ça va donner. On en attend un effet, mais on ne sait pas si l'effet va être positif ou négatif. Donc, ce qu'on attend, c'est que l'effet soit positif. Donc, c'est pour ça qu'on joue bien. Et c'est effectivement ce qui fait qu'un rituel est réussi, c'est que on l'a bien fait, mais pourquoi? Ça va être dû à la marge de liberté qu'avait l'officiant. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux rituels qui se passent de la même façon. C'est antiliturgique, si on veut. Et ça s'oppose, ce type de rituel s'oppose très fort aux rituels liturgiques qui sont simplement le déroulement d'un truc qui est fixé, qui est souvent écrit. C'est pour ça que ce sont des sociétés à écriture qui ont des rites liturgiques. Hein. Bon. Et où il y a rien qui diffère. Il est intéressant de voir que, enfin, là, je fais une petite parenthèse, dans la messe, par exemple, chez les Polonais, ce qui faisait la différence entre une messe et enfin, la messe, c'était toujours la messe, mais il y avait un petit quelque chose qui faisait la différence, c'était le sermon. Et le sermon, c'était la part individuelle du curé. Et bon, là, ça suffisait à faire qu'une messe pouvait être plus efficace qu'une autre. Bon. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais c'est pour dire que cette composante-là est vraiment tout à fait capitale dans l'histoire. Alors, cette réflexion sur le jeu, ça m'a emmené justement à voir qu'il y avait deux éléments véritablement constitutifs de la notion de jouer. L'un qui est cette marge, on appelle ça la marge de jeu, c'est très souvent appelé comme ça aussi dans d'autres langues. Et bon, c'est pas très difficile à comprendre. Et l'autre, c'est l'aspect métaphorique du jeu. Faire comme si, c'est, disons, quelque chose dont on a l'expérience, même depuis qu'on est tout petit, on joue à la poupée, on fait comme si. Et mes mouvements, ou bien le panier que je vais avoir, c'est la métaphore d'une baignoire pour baigner mon bébé, etc. Je veux dire, la métaphore, elle est partout présente. Et on pouvait retrouver là-dedans les idées de George Lakoff, le linguiste, et Lakoff et Johnson, l'autre s'appelle Mark Johnson, c'était un philosophe, mais c'est le linguiste que je connaissais surtout, qui disent que la métaphore permet de comprendre quelque chose d'abstrait dans les termes de quelque chose de concret dont on a l'expérience. Et ça m'a illuminé des tas de choses, parce que c'était comprendre aussi, par exemple, l'alliance avec les esprits du gibier, dans le terme du mariage avec une femelle d'espèce de gibier. C'était comprendre la prédation aussi dans les termes d'une forme d'amour. Bon, etc. Enfin, on pouvait imaginer toutes sortes de choses de ce genre. Alors, l'aspect métaphorique, c'est quelque chose qui avait été reconnu par certaines personnes, comme par certains auteurs sur le jouet, comme Jacques Henriot. Mais alors, il y a une chose qu'il dit, Jacques Henriot, son bouquin s'appelait La métaphore ludique sous couvert de jouet. Le titre sous couvert de jouet, c'était vraiment trop beau, mais il l'avait déjà pris, dommage. Mais la métaphore ludique, mais alors il dit que le modèle, c'est le piston.
parce que le jeu est toujours un mouvement rythmique et répété. Et même plus concrètement, c'est un mouvement répété dans un espace limité. Et alors, moi je disais, le piston, c'est pas forcément connu partout, alors que l'acte sexuel est connu partout et c'est beaucoup plus, quand même beaucoup plus, disons, connu et métaphoriquement, beaucoup plus. beaucoup plus facile à comprendre. Et en fait, on appelle jouer très souvent le mouvement du forêt pour faire le feu, etc. Le mouvement du briquet mongol, c'est un morceau de fer que l'on frappe sur un bois avec de l'amadou. Bon, c'est aussi quelque chose c'est une percussion sur un endroit limité et qui est rythmé partout. On voit aussi que jouer est utilisé pour tous les instruments à percussion à peu près dans toutes les langues. Mais jouer n'est jamais utilisé pour chanter, par exemple. Hein? Jouer ne veut jamais dire chanter. On ne dit pas il joue de ses cordes vocales. On ne dit pas non plus il joue du pinceau. Mais on emploie jouer, par exemple dans les langues sibériennes, pour certaines formes de broderie. Par exemple, on fait un mouvement répété dans des trous aussi. Donc, cette idée de mouvement répété dans un espace limité était vraiment très puissante et elle était une superbe métaphore absolument universelle, partout compréhensible. Et donc, ça m'a, disons, cette définition, à la fois la définition de Bateson, la vue de Kaiwa qui montrait donc ce sens d'évolution. On voit aussi que si la compétition gagne toujours sur l'imitation, c'est aussi parce que elle va de pair avec la hiérarchisation des sociétés, avec les notions de pouvoir aussi. Quel est celui qui a du pouvoir? C'est celui qui accumule le plus de points. C'est comme ça qu'on voit que les modèles constitués par la course de chevaux ou le tir à l'arc ont été finalement des modèles de pouvoir. C'est celui qui gagne par rapport à beaucoup. Celui qui gagne de 2 à 2, ce n'est pas la même chose. Il a montré une certaine forme de capacité, mais pas l'autre. Et alors je dirais, disons que cette réflexion sur le jeu m'a valu beaucoup de contacts avec des gens dont je ne soupçonnais même pas l'existence, les psychomotriciens, enfin des gens comme ça, qui retrouvaient quelque chose de leur jeu. Alors, beaucoup de psychothérapeutes aussi, qui utilisent des formes de jeu dans leur méthode thérapeutique, etc. Mais le jeu aussi religieux ou philosophique. Et en fait, alors la dernière aventure que j'ai eue du côté du jeu, c'est du côté des hellénistes. Parce que il se trouve que j'ai eu des rapports avec des hellénistes suisses qui ont travaillé sur les jeux anciens et qui trouvaient. Enfin, moi, j'aurais toujours voulu quelqu'un qui travaille sur les Jeux olympiques grecs et qui me raconte ça. Mais bon, je n'en ai pas trouvé. Mais il y en a eu d'autres qui travaillaient sur toutes sortes de jeux. Et je suis restée en contact avec ces hellénistes. Et il se trouve que récemment, enfin l'année dernière, ils ont organisé un colloque sur une phrase d'Héraclite qui est merveilleuse, mais à laquelle personne ne comprend rien et que tout le monde interprète de façon différente, qui est « Le temps est un enfant qui joue. » Le temps est un enfant qui joue. Et c'est très beau, on ne connaît Héraclite que par fragments, 6e siècle avant Jésus-Christ, ça n'a été connu qu'au 3e siècle après, et ça a été, évidemment, on est incapable de restituer le contexte, mais alors ils m'ont demandé de faire une postface. Alors, je me suis beaucoup creusé la tête, et finalement, c'est tout à fait passionnant. On voit comment le concept de jeu, finalement, sert à dire des tas de choses. Quand Huizinga disait « jouer n'est pas faire au sens courant », il avait tout à fait raison.
Et nous voyons, par exemple, comment nous employons jouer pour nous moquer de quelqu'un, hein, ou pour ruser avec lui. Il s'est joué de moi, ou dans la plaisanterie, c'est un jeu, on dit « private joke », etc. Et on sait que d'ailleurs, « jeu » en français est un dérivé de « jocus », qui a donné « joke » en anglais, qui a donné « jeu » en français, mais que « jocus », à l'origine, c'est le jeu en parole, alors que « ludus », c'est le jeu en action. Et donc, c'est les Anglais qui sont le plus fidèles à l'étymologie de « joke », bon, l'étymologie de « jocus ». Mais on voit, par exemple, que... il s'agit véritablement de jouer les esprits, enfin de bien les, disons, les leurrer, ou quelque chose comme ça, les contourner. Hein. J'ai bien joué, j'étais bien nu, quoi. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, le temps est un enfant qui joue, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ses sens, eh bien, à creuser cette phrase, à la retourner dans tous les sens, eh bien, je trouve que tout y est, c'est extraordinaire, ça m'a ébloui, parce que le temps, le terme grec, c'est aion, qui a donné un éon en français, on sait qu'il y a eu des airs, des éons, des choses comme ça. Mais en fait, il ne veut pas dire la même chose à l'époque d'Héraclite, qui est un tout petit peu avant Homère, et plus tard. Il veut dire, au départ, la force vitale. Donc je me suis dit, la force vitale, ça c'est une notion que je connais. Et la force vitale qui détermine la durée de vie. Donc, c'est un peu le temps d'une vie. C'est l'âge, quoi. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que le temps d'une vie, il alterne avec la mort. Donc, c'est forcément un rythme, c'est une alternance, jour, nuit, le cours des saisons. Et du coup, ça avance un petit peu parce que les saisons avancent, ça devient à la fois cyclique et linéaire. C'est un cycle parce que c'est la même chose qui se répète pour chaque individu qui meurt et qui revient. Et on a eu finalement cette idée du retour, mais de la succession des générations d'abord. Parce que si la vie et la mort alternent, ça fait que les générations se succèdent. Et les générations se succédant, elles finissent par faire une certaine linéarité. Mais en fait, c'est toujours avec l'idée que ça alterne et qu'il y a quelque chose qui revient. Donc ça a été aussi le cycle du zodiaque, l'anneau du zodiaque, l'idée de l'éternel retour. Alors quand il y a eu le christianisme, c'est devenu le sentiment d'éternité, une chose comme ça. Alors bon, on peut arriver à suivre l'évolution du sens de temps. Mais alors, pourquoi c'est un enfant qui joue, et après, il y a juste de l'enfant, la souveraineté. Alors ça, bon, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi cet enfant joue? Alors l'enfant, il joue, et le terme qui est employé veut dire qu'il joue avec des pions, il pousse des pions. Or, tous les spécialistes des jeux de l'époque ancienne disent, les enfants ne jouaient pas avec des pions. D'abord, les jeux de pions, les jeux de table, quoi, le tric-trac, les échecs, les dames, etc., ça demande une certaine stratégie. Et surtout, ça demande d'avoir un partenaire. Or, Héraclite ne lui donne pas de partenaire à ce pauvre enfant qui se contente d'avancer les pions, quoi, c'est tout. Donc, il n'y a pas de vrai jeu, puisqu'il n'y a pas d'adversaire. C'est aussi une phrase qui est complètement ironique, parce qu'elle montre une impossibilité, disons. C'est amusant quand c'est comme ça. Et donc, l'enfant qui joue, il avance des pions comme le temps avance, mais finalement, le temps avance de façon imperturbable et de façon peut-être capricieuse, quoi, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de stratégie. Il avance comme ça, on ne peut pas le retenir, et c'est de cette manière-là, mais c'est de la folie de laisser la souveraineté, la possibilité de faire ce qu'on veut à un enfant. Donc c'est une phrase finalement très moqueuse. Mais alors, ce qui est intéressant après, c'est que Aion
Et ce terme qui veut dire, qui est traduit par le temps, il est traduit par temps, mais en fait, il n'a pas d'article en grec, alors que la souveraineté a un article. Donc, je me suis demandé, mais est-ce qu'il est personnifié? On sait que la Grèce antique aimait beaucoup personnifier ces concepts abstraits, la mémoire est personnifiée, la victoire, la chance, comme en latin aussi, on a la fortuna, etc. Et là, est-ce que le temps est personnifié? Alors, je pose la question à mes collègues, moi, j'en sais rien. Hein. Et alors, il se trouve que le temps a été personnifié, mais plus tard. Mais là, tout de même, est-ce qu'il anticipe en ne lui mettant pas d'article, en le traitant comme un nom propre? Bon, pourquoi pas? Et auquel cas, ça ouvre un autre corps de réflexion, je trouve, à l'anthropologie comparative. Pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés qui arrivent à personnifier leurs concepts, au besoin à en faire des divinités, et d'autres pas? Alors, moi je me disais, ça m'a ramené aux épopées, ça. Parce que les épopées, elles ont des héros. Et c'est vrai que c'est commode, des héros, pour penser l'idéal viril national. Je comprends bien pourquoi ils avaient choisi le héros épique comme figure nationale pour ériger un concept comme ça, qui n'a pas réussi, mais bon, l'essai était méritoire. Et je me dis, est-ce qu'il y a des sociétés qui n'arrivent pas du tout à conceptualiser, à personnifier leur concept? Et qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que ça serait un thème intéressant à creuser en anthropologie aussi, la personnification des concepts.